Manu, on est à 15 jours du grand jour, justement. Comment ça se passe pour Ozone? Bah, ça va, il est vivant. Non, ça va bien, je suis monte en condition, c'est bien. Ça continue à bien se passer. Est-ce que dans sa préparation, pour toi, tout se passe pour le mieux? Oh bah ouais, j'avais peur qu'on leur mette trop dur le dernier préparatoire. Bon bah comme ils sont partis au galop, ça n'a pas été le cas. Voilà. Justement, t'en as pensé quoi de la dernière préparation? Bah à part ça, c'était bien. Le cheval il a fait une bonne ligne droite, comme je l'attendais. Qui court bien, quoi. Donc voilà, non, non. Il a l'air d'avoir le moral là-dessus et on va continuer. D'ici au critérium, est-ce qu'il va y avoir des modifications? Non, bah. L'entraînement, non. Après, on va le déférer pour le label. Et puis voilà, hein, le débouche-oreille, il l'a déjà eu, mais on ne l'a jamais actionné. Donc voilà, il faut être au taquet. Manu, Alizéa, qu'as-tu pensé de sa dernière course? Bah, pareil, elle est partie au galop. Hein. J'ai sûrement dormi à la volte. Après, bah, une course sans train, donc la jument, elle a un peu tiré dans le parcours. Ils ont fait les derniers 500, elle a fait les derniers 500 correctement. Depuis, qu'est-ce que tu as fait? Bah, depuis, elle a travaillé normalement. Hein, comme elle a pas couru, hein, puisqu'elle était pendant la bataille, bah, on travaille normalement, hein, et on espère l'avoir de mieux en mieux, quoi. Alors, ce lundi matin, tu lui as essayé les œillères descendantes? Ouais, bah, comme tous chevaux, presque. Premier coup, il c'est pas trop terrible. Plutôt surprise et pas la bonne foulée que j'attendais derrière. Mais voilà, on va retenter le truc et on espère qu'elles comprennent pourquoi on actionne des œillères. On se retrouve. Inspecteur Laval. Bon ben, si tu le crois, tu lui dis. Lui, sur la ligne droite, ils font 3000 sur la ligne droite et puis après, ils vont faire deux fois 2005 sur l'avant. À chaque fois en envoyant ouais, ils sont allés les 500 les mètres. 500 mètres. Plus ou moins rapidement, selon l'humeur. Ouais, selon l'humeur. Ouais. Là, bah ouais, pour les ouvrir, faut qu'ils soient prêts. Hein. Ouais. Et lui, quand il est en dessous de son train, il fait un peu juste comme ça dans les ah ouais, bah là, ouais. Ouais, surtout en ce moment, il a appris à pas trop se tendre ouais, pendant le parcours. Mais non, non, après, une fois qu'il est dans l'ambiance, il gagne en maturité, hein, il prend de la force et il devient plus sérieux dans sa tête. Hein. Et tu disais que ça t'a quand même un petit peu handicapé le fait qu'il billard que d'un côté, tu dis, hein, ouais. À droite. Ouais, et de l'autre, il va dans le genou. Alors, je ne sais pas lequel des deux m'embêtait le plus, si c'est le fait qu'il billardait ou si c'est le fait qu'il est dans le genou. Maintenant qu'il va moins dans le genou, il est quand même un peu plus facile à driver. Ah oui? Je trouve. Donc, comme général du pommeau, alors, un seul genou. Voilà, bah, ouais. Ça ne sert à rien d'en mettre un deuxième s'il n'a pas besoin. Ouais. Et l'autre jour, donc tu l'as fait driver à Jean-Michel. Ouais. C'était délibéré, c'était quand tu savais que tu allais avoir deux chevaux dans le critérium ou... Voilà, exactement. Hein. Et deux chevaux dans le critérium, il faut un driver pour un autre. Mmh. Donc on a regardé ce qui restait. On a attendu ce Jean-Michel. Vous pas trop mal tombé là. Ah non, bah voilà, après on a bien choisi aussi. Hein, non, non, on a regardé qui était susceptible d'être libre. Et lui, on faisait partie, donc bah après, il faut regarder la colonne des statistiques et des drivers, il est en tête, donc on prenait lui. Et donc le dernier coup, il a fait la faute peu après le départ. Ouais. Un petit peu affolé, m'a dit Jean. Des drivers, c'est ça, non quoi, ouais. Le cheval, hein. Ouais, bah normal. Hein. Moi, je sais pourquoi. Pourquoi? Bah pour moi, c'est parce que c'est un cheval qui dort tant qu'il est pas dans les autres ou en course. Mais après, quand il se réveille, il est plutôt trop réveillé. Et on a tiré les bottines, et c'est sûr que ça l'a réveillé. Vous lui avez enlevé les bottines? Ouais, on lui a, ouais, voilà. Bah, c'est comme ça que j'avais fait quand il était poulain. Quand il était poulain, c'était le même, il n'avait pas d'allure. Et quand tu lui mettais pas de bottinage, il trottait bien, il était sérieux droit. Ah, donc le dernier coup, le changement qu'il y avait, c'est qu'il avait des petits vétrapes ou des voilà, petits à la place de bottines? Voilà, exactement. Et ça l'a vraiment... Bah, ça l'a gazé, surtout. Mais après, c'est pas trop le souci. Il fallait le laisser aller, quoi. Le problème après, c'est de laisser passer. Hein. Moi, je le connais, le cheval. Ouais. Jean-Mi, il a découvert. Et le cheval, il a montré un peu le mauvais côté. Et tant mieux, peut-être. Hein, ouais. Parce que vaut mieux qu'il montre
s'est effacé ici à la préparatoire que pendant la belle. Donc maintenant, il sera plus avisé. Je pense qu'il partira un peu plus en dehors. Et puis comme la course va être un peu plus rythmée, il va laisser aller. C'est un cheval qui n'aime pas trop être contrarié. S'il a du jus et qu'on contrarie, il s'enlève. Quoi, il a besoin de personne de toute façon, ce cheval-là. Ah ouais, non. Il va aller devant, c'est pas gênant. Ah ouais, lui, ça le dérange pas. Hein, vaut mieux pas trop avoir épuisé les ressources avant le dernier mille, mais je sais qu'il peut faire un bon dernier kilomètre. Une fois qu'il est parti, qu'on l'a laissé aller un petit peu, après il devient quand même assez maniable. Hein. Et vous allez, il vous a demandé d'opérer quelques changements ou pas? Ouais, on va déférer des 4. Déférer des 4? Voilà. Et il n'y a pas quelque chose aussi au niveau de l'enraînement? Ouais, un peu plus, ouais. Hein? Ouais. Et un peu plus enrainé, hein, c'est ouais. Ça? Ouais, mais bon, aujourd'hui, il allait sans rien. Ouais, ouais, il travaille sans rien. Il a pris son argent avec le point d'entraînement qu'il avait. Ouais. Donc, pour moi, c'est une erreur. J'ai revérifié ce matin, pour moi, c'est une erreur. Jean-Mi verra bien vite. Il verra vite, ouais. Moi, je pense. Ouais. Et il y a autre chose, remis ça, remis le fait de déférer des 4 et de l'entraînement. Non, bien, hein, moi, vous savez, le cheval, il. Je ne lui ai pas demandé de me le mettre, le cheval. Il est bien compétitif. Ouais. Donc, non, mais parce que des fois, le gars, il peut te dire voilà. Non, mais sur certains chevaux, je joue bien. Tu as du mal, tu t'enlèves du pot, tu le vois. Mais moi, le cheval, il a gagné groupe. Bien sûr, il a gagné groupe. Avant, donc il n'y a pas. Dans le prix de l'étoile, il s'est enlevé. Moi, je suis sûr que j'étais encore compétitif. Derrière, derrière, j'ai pas débouché. Et j'avais pas encore actionné. Derrière, il court une préparatoire pas trop près. Donc, il est sixième avec un mauvais parcours. Le cheval, il était brave. Et il m'avait montré que depuis que je l'ai repris de son dernier petit break, il est devenu beaucoup plus brave. Quoi. Il n'a pas la même action. Le petit break, il l'avait fait quand? C'était Sitôt le prix de l'étoile. Hein. Il a fait trois semaines de près. Il a dû bosser quatre fois avant la première préparatoire. Il courait drôlement bien. Et là, il a changé. Il a épaissi, tu dis. Bah voilà. Et puis là, il s'affine un petit peu. Hein, donc, tu es relativement confiant avec lui? Bah ouais, hein, j'ai des raisons de l'être. Oui. D'accord. La jument, elle travaille bien. Hein. Je pense qu'il faut qu'elle se réveille un tout petit peu. Elle manquait d'énergie, je trouve, dans ses courses. Mais elle est bien souple et elle avance suffisamment aussi. Elle a bien travaillé. Elle a bien travaillé aussi, oui. Non, non, mais c'est bien. Hein. On va déférer des 4 et puis voir. Hein. Il faudra raser les murs, par contre, avec elle. Tu vas courir sagement. Bah, je pense. Mais hein, tu n'es plus réveillée parce qu'elle s'était endormie, elle n'était pas. Bah, je trouvais qu'elle était molle, je la trouvais molle. Je trouvais. La jument, elle était en santé, mais je la trouvais molle. Est-ce qu'elle faisait de la croissance ou quelque chose comme ça? Non, la poussée de croissance, elle l'a fait quand elle fait un mois de break. Donc là, elle a bien profité. Après, je sais pas, elle avait un petit manque d'énergie qui a l'air de revenir un petit peu mieux. Tu ne la sens pas quand même encore au top? Bah, parce que tu as l'air de dire là, t'es. Bah, sur sa dernière course, j'ai du mal à la situer, quoi. Ouais. Elle avait l'air un petit peu mieux. Mais elle est partie au galop, donc après une course sans train, on se situe mal. Mmh. Et puis là, au travail, c'est un peu mieux maintenant. Maintenant, avec elle, il faudra que ça se passe bien. Pour essayer de raccrocher une place? Bah voilà, après, on sait pas, elle a un bon goût. On sait pas comment, quel jus on aura pour finir, quoi. Mais de toute façon, t'as toujours. Je sais pas, mais il me semble, quand les deux ont couru jeunes. T'as toujours dit que malgré que la femelle faisait des trucs terribles et que le mâle courait les petites catégories, t'avais gagné à la Capelle et tout, que le mâle était toujours meilleur que la femelle. Bah pas vraiment, parce que, souvent il me mettait le doute. Ouais. Souvent, sur un travail de temps en temps, il me mettait le doute. Le mâle, il te mettait le doute? Ah oui, mais comme la femelle, elle était sérieuse et répétait tous ses travails, tout de suite, je retombais dans la réalité. Ouais. Voir que la femelle était supérieure. Mais oui, il m'a mis souvent le doute. Et maintenant? C'est toujours un cheval que j'ai aimé. Et maintenant? Maintenant, ils donneront leur réponse sur la piste. Hein. Le 8, mais. Pour voir la différence entre les deux. Voilà, exactement. Mais il y a deux différences. C'est que lui, il y a plus de chances que ça se passe bien dans la mesure où il n'y a pas de souci, on peut tirer en dehors et envoyer que la jument, on ne pourra pas se permettre de faire le tour des autres. C'est ça la différence. Lui, il est très très dur. Ok.
Allez, on se reprend pas. Allez. Personne boite, on va pouvoir courir. Alizéa ce matin, les œillères, c'était mieux. Ah, extra. Voilà, ce qu'on attendait. Comment ça se présente pour elle? Est-ce que vraiment, de jour en jour, tu es de plus en plus confiant ou c'est... Elle me rassure à chaque travail maintenant, un peu plus. Donc, on verra, j'espère qu'elle sera bien en bonne disposition avec un parcours idéal. Et le mâle? Le mâle, lui, me plaît toujours bien. Il monte en condition, ça me plaît bien. À une semaine, la pression monte. Est-ce que tu le sens, toi? À part, j'ai tout le temps un journaliste qui vient tous les jours. On travaille, hein, on verra bien. Enfin, on a des occupations, quoi. Alors, il y a des bruits qui courent comme quoi Jean-Mi regarderait très attentivement les travaux d'Ozone. Est-ce que ça te rassure? Ouais, il y a beaucoup de monde, hein, tout l'hiver, hein, c'est pas grave. Qui voit, le cheval il est bien, donc je ferais bien qu'il le voit. Enfin, aussi. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Manu, pour le dimanche? On va te faire un et deux. Voilà, hein, je te demande pas plus. Et dans quel ordre? Le désordre, je m'en fous. L'ordre, le désordre, non, mais voilà. Que tout se passe bien, qu'on arrive déjà jusqu'à dimanche sans qu'on ait de pépins avec les chevaux. Et après, c'est la course qui... Ça se passe comme ça doit se passer. Hein.